l'idée de développer le programme Volte-à-Face et d'écrire ce livre est vraiment le fruit, je dirais, des observations que j'ai faites dans le cadre de ma pratique professionnelle. J'ai toujours été étonné de rencontrer des gens qui souffrent en continuité au point de se définir à travers leurs problèmes et même d'en venir à parler d'eux-mêmes comme s'ils étaient tout simplement devenus une maladie. Hein. Ils vont dire spontanément « je suis une personne dépressive, je suis une personne anxieuse, je suis une personne hypochondriaque, qu'importe ». Le fait est, c'est qu'en adoptant cette position, ils finissent bien entendu par perdre de vue tout ce qu'il y a de sain et tout ce qu'il y a de fonctionnel qu'ils habitent en dedans d'eux-mêmes. Alors, d'autant plus que c'est un schéma qui est vraiment susceptible de les maintenir dans la souffrance, dans la culpabilité, dans la peur et dans le sentiment d'impuissance. La majorité des ouvrages, de même que les approches thérapeutiques, vont vraiment aborder la résolution de problèmes par le biais des symptômes. Alors, en adoptant ce point de vue, on met forcément à l'avant-plan tout ce qui est blessé ou tout ce qui est souffrant ou dysfonctionnel chez la personne. Sans compter que cette façon d'opérer n'accordera pas beaucoup d'importance par la même occasion à ce qui est fort ou ce qui fonctionne très bien dans nous-mêmes. Et c'est là que mon livre se démarque. Ce que je présente, c'est une façon nouvelle et rafraîchissante, vraiment, d'aborder le changement. Alors, plutôt que de ramener la personne à la source de sa souffrance, l'approche que je propose est centrée vraiment sur l'exploitation des parties saines, des parties compétentes et des parties fonctionnelles qui cohabitent en dedans d'elle, c'est-à-dire qui l'habitent dans son esprit, dans son corps. Alors, dans l'action, c'est simplement le mouvement de faire un retour vers soi pour puiser à même nos ressources pour, au final, régler nos problèmes, trouver un équilibre puis le bien-être, quoi. Tous les exercices du programme Volte-à-Face sont basés sur des méthodes éprouvées, incluant des outils vraiment novateurs, comme l'hypnose, dont les gens vont pouvoir bénéficier à travers l'expérience que leur offrent les deux enregistrements sur disque compact inclus avec ce volume. À cela, bien entendu, on rajoute la PNL et la cohérence cardiaque. Trois ingrédients thérapeutiques combinés qui ont vraiment fait leur preuve et démontré qu'ils pouvaient agir sur les mécanismes les plus subtils du cerveau. Alors, toute cette gymnastique de l'esprit, des émotions et des sensations vont vraiment vous amener à réaliser que votre cerveau regorge de ressources capables de stimuler votre système dans son ensemble, vos facultés d'auto-guérison et de rétablir par la même occasion l'équilibre dans votre corps, dans votre esprit, dans vos émotions. J'ai écrit ce livre en souhaitant sincèrement qu'il soit une source féconde de réflexion et de changement pour tous les gens qui en sont venus malheureusement à se résigner, à souffrir, ou bien entendu tous les autres qui ont gardé quelque part dans un coin de leur esprit l'espoir de créer un revirement pour enfin trouver le bien-être.